Salut à toi. Hello. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va très bien, je te remercie. Est-ce que tu veux vite fait te présenter, peut-être dans les grandes lignes, voilà, de qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la cryptosphère? Alors, comme la dernière fois, je m'appelle Vince, je viens de Suisse, je suis étudiant à l'université et je suis aussi ambassadeur chez Zilliqa pour la communauté francophone. Comme je disais, je ne suis pas le seul, on est plusieurs dans la team. Et je sais que, par exemple, Patricia, elle est aussi en live, là, sur Twitch. Elle nous regarde. Donc, salut à toi, Hello, Patricia. Et du coup, n'hésitez vraiment pas à poser des questions, même dans le chat, parce qu'elle sera là aussi pour vous aider. Si jamais vous avez des questions, elle peut directement y répondre. Super cool. Et sinon, à part ça, étudiant, je révise pour les examens qui arrivent. Aïe. Et puis, quand j'ai des pauses, ben, je prends le temps de m'intéresser à la blockchain et de toujours essayer d'en savoir plus pour juste m'éduquer sur une technologie qui peut avoir du potentiel, un fort potentiel selon moi dans l'avenir. Voilà. Tu veux peut-être nous faire voilà, une petite présentation de exactement ce que tu veux aborder comme sujet ce soir? Ouais. Super, cool. Alors, moi, mon but, c'est vraiment qu'on parte de A et qu'on aille jusqu'à Z ensemble. Magnifique. Et si ça prend 6 mois à 1 an, ça prendra 6 mois à 1 an. Si on doit augmenter la fréquence des lives, on augmentera aussi la fréquence des lives. Pour l'instant, c'est une fois toutes les 2 semaines. Et on verra cet été comment on peut s'organiser. Mmh. Et du coup, la dernière fois, juste pour faire une petite récap pour les personnes qui n'étaient pas là, j'ai présenté de manière vraiment générale, du plus simple possible, qu'est-ce que Zilliqa, qu'est-ce qu'ils font, l'écosystème en général. Et la question qui est revenue le plus souvent, c'est comment on fait le staking. Et du coup, je suis là 14 jours plus tard pour vous répondre, à cette question. Magnifique. Donc, ce soir, on va développer plus en profondeur qu'est-ce que le staking chez Zilliqa. Et on va vraiment aller de A à Z. Je vais vous montrer tout le processus pour passer du monde centralisé, par exemple de Binance ou quelque chose comme ça, et passer vos tokens sur le monde décentralisé. Voilà. La classe, ouais, c'est super. En tout cas, moi, je me réjouis. Ça va être super cool. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, ouais, à mettre dans le chat. Du coup, je sais que toi, tu regardes le chat. Moi, je regarde le chat. Voilà, si d'un coup, il y a vraiment des questions qui n'ont pas été répondues, ou bien que Patricia, ou peut-être aussi des questions, quoi que ce soit, on peut sans autre aussi revenir dessus. Et puis, sinon, toi, je pense que tu veux partager ton écran, si je ne me trompe pas. Oui. Magnifique. Ouais, alors, du coup, je te laisse... essayer dès que tu veux. Tu veux le faire avec ton GSM? Ah, c'est que toi, tu dis GSM. Non, je dis téléphone. C'était juste pour voir si tu savais ce que c'était un GSM. Nous, on dit Natel. Ouais, exact. On dit un Natel en Suisse. Voilà. Du coup, je vais partager. Je vais voir si je peux partager les... Alors, je pense que le mieux, ça va être de partager. Vu qu'on va sauter un peu les pages, je vais tout partager directement. Super. Entire screen. Voilà. Normalement, on devrait voir une page Google. J'espère. Exactement. Très bien. Magnifique. Alors, je vais juste mettre le son un petit peu plus fort chez moi. Voilà. Du coup, on va vraiment partir de A à Z. Je pars sur le principe que la majorité des gens, ils utilisent Google Chrome. Mais vous pouvez très bien utiliser aussi le browser Brave. Mmh. Qui est très, très aimé des personnes qui sont dans la crypto. C'est vrai. Voilà. Et je vais tout vous montrer sur desktop, donc ça veut dire sur l'ordinateur. Et tout à la fin, étant donné que la majorité des gens, ils utilisent uniquement les téléphones, je vais aussi vous montrer très rapidement comment vous installer votre portefeuille électronique sur votre téléphone. Voilà. Magnifique. Parce que les deux sont possibles chez Zilliqa. Magnifique. Bah, c'est super. Voilà. Alors déjà, pour commencer, la première chose qu'on va faire, c'est créer un wallet. Donc, pour créer une adresse électronique, ce qu'on doit faire, c'est aller sur zilpay.io. Voilà, donc pour toutes les personnes, je remets encore une fois, vite fait les liens dans le chat pour les personnes qui sont en train de rejoindre. Tous les 3 liens sont là. Voilà. Et ici, vous êtes sur une page donc de Zilpay. Zilpay, c'est l'extension du wallet de Zilliqa. C'est exactement la même chose que MetaMask. Voilà, pour faire très court et très simple. Et vous avez le choix entre l'extension Chrome
ou l'extension Firefox. Nous, ce qu'on va choisir, c'est l'extension Chrome et on va l'ajouter à Chrome. Voilà. Une fois qu'elle est ajoutée ici, vous arrivez sur une autre page. Et la page ici, vous avez le choix entre créer ou restaurer un portefeuille électronique. Et vous pouvez aussi changer ici le style. Et personnellement, je préfère le style français, vu qu'on va rester en style français. Et ce qu'on va faire, vu qu'on n'a pas de wallet, on va en créer un ensemble. Dès que vous avez des questions, vous posez. Magnifique, Ici, ouais. vous avez les 12 mots que vous donnez à personne. Et là, on est juste dans le. Ouais. C'est juste un exemple. Donc, il n'y a pas d'argent sur le wallet. Vous ne pourrez rien faire avec ces mots. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est juste avec mon téléphone faire une capture d'écran. Comme ça, après, je peux juste les remettre. Voilà. Ce qui est une En bonne chose espérant aussi que de j'arrive à faire voir. en général, c'est de pouvoir par exemple prendre un papier et d'aller noter par exemple ces 12 mots sur un papier que vous savez que vous allez mettre ça dans un de côté, quelque part, vous n'allez pas les perdre, quitte à le noter 2 ou 3 fois sur des papiers différents, d'aller les cacher quelque part. C'est aussi pas si mauvais. Voilà, ce qu'on préconise, c'est que dès que vous allez mettre de l'argent dessus, vous ne devez pas laisser de traces digitales. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, par exemple, vous ne faites pas une photo avec votre téléphone pour reproduire ensuite les mots sur la prochaine page. Exact. Parce que dès que vous laissez une empreinte digitale, vous avez un risque de vous faire pirater. Voilà. Et ça, c'est comme votre PIN pour la carte de crédit que vous utilisez pour aller faire vos commissions, par exemple. Donc, très important, ne le donnez à personne. Je suis juste en train de regarder quelque chose. Oui, alors il y a les Kabyles qui demandent est-ce qu'on peut utiliser aussi un gestionnaire de mots de passe? Oui, si c'est encrypté, c'est pas mal aussi. Ce qui est dingue, c'est que j'ai fait une photo et c'est pas les mêmes noms, mais les mêmes mots. Et je suis en train de me poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est génial, ça. Ça, c'est. Waouh! Voilà. Non, après, je me suis dit peut-être qu'il y a un problème, mais il n'y a pas de problème là, c'est bon, j'ai refait une photo. Voilà, donc Excellent. on peut passer. Le mieux, c'est de print si vous voulez, vous pouvez l'imprimer. Et là, on va juste continuer. Et on va devoir remettre les mots dans le bon sens. Donc le premier, c'était celui-là. Je vais essayer d'aller plus vite que la lumière. Et puis pendant que tu le fais, il y a aussi une très bonne chose qui a été dite aussi sur le chat. Et n'oubliez pas de tester votre seed, donc les 12 mots aussi, après recopier les mots et mettre de l'argent. Une erreur de frappe coûte cher quelques années plus tard. Et ça, je suis tout à fait d'accord. S'il y a quoi que ce soit comme mot qui a mal été écrit ou bien une lettre qui n'est pas là ou quoi que ce soit, c'est vrai que ça peut être assez fatal de se dire, ah enfin, yes, je vais aller ouvrir mon wallet sur lequel j'ai mes 5 bitcoins que j'ai mis de côté depuis X temps, ou bien mes 100 millions de ZIL, façon de parler. Et ben, le jour que vous allez l'ouvrir et que votre site n'est pas bien, c'est vrai qu'il faut faire attention. Voilà, Magnifique. ensuite ici vous avez juste à mettre un mot de passe que vous allez utiliser chaque fois que vous voulez accéder à votre wallet. Donc on le verra plus tard. Et accepter la police et ainsi de suite. Ensuite on peut continuer. Ça peut prendre quelques secondes bien sûr. Voilà, des petits tips qu'on vous a déjà répétés. Magnifique. Et voilà, on peut utiliser l'extension. Et là, comme vous voyez, l'extension, elle est complètement ouverte. Et ça, on va juste quitter, juste pour vous montrer. Ah, c'est rigolo, ça, en effet. Voilà, c'est que ici, en haut, vous avez l'accès aux extensions. Et vous pouvez aussi mettre ce petit pin, comme ça, il apparaît ici tout le temps. Voilà. Et là, vous avez accès à votre portefeuille. Voilà. Magnifique. Comme MetaMask. Ensuite. Voilà, exactement la même chose que MetaMask. Ici, vous avez votre compte. Vous pouvez aller dans Général si vous voulez pour voir si vous voulez, si vous êtes plutôt un Bitcoin maximaliste, comme on les appelle, Ouais, et que vous exact. n'aimez pas les dollars, vous pouvez changer la monnaie. Sur Et lequel vous vous pouvez voulez, ouais. aussi choisir le thème. Voilà. Donc, très banal. Dans l'avancée, il n'y a pas besoin de toucher, en général.
Et sinon, ce qui est aussi peut-être important pour vous, dans sécurité, là, vous pouvez voir la clé privée. Donc, celle-là, faut la montrer à personne. Ça, c'est les phrases qu'on a expliquées avant. Et si vous voulez aller plus vite pour intégrer votre portefeuille sur un autre browser ou quelque chose comme ça, vous pouvez aussi télécharger le KeyStore file. Voilà. Et le Mobile Connect, on regardera ça plus tard. Voilà. Magnifique. Et là, ce qui est important, c'est que quand vous allez ici, vous avez accès au token. Et quand vous allez ici, vous pouvez mettre Deposit Zilliqa. Et là, vous avez accès au QR code qui peut être peut-être utile. Voilà. Et là, Exactement. on peut aussi aller dans ViewBlock pour voir l'adresse. Et comme on voit, l'adresse, elle a aucune transaction. Voilà. Donc là, on est sur l'explorer de la blockchain de Zilliqa. Voilà. Magnifique. On peut continuer plus loin. Ici, vous pouvez aussi copier directement. C'est assez pratique. Ou juste cliquer et c'est déjà copié. Et comme ça, vous avez l'adresse publique qui sera utile pour envoyer un message. Pour envoyer de l'argent, Pour pardon. envoyer de l'argent, ouais. Voilà. Même si des messages, on pourrait les Ouais, on envoyer sur pourrait, je des voulais justement le smart dire. Ouais, contracts. je voulais le dire. Et là, le rond, c'est exactement la même chose pour les personnes qui ont, parce que là, on est sur un portefeuille qu'on appelle Hot Wallet, parce qu'il n'a aucune sécurité. Voilà. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas besoin de ledger ou quelque chose comme ça pour pouvoir activer les transactions, les confirmer. Voilà. Donc là, ce que vous pouvez faire, si vous avez un ledger ou quelque chose d'autre, vous pouvez venir sur le rond, comme j'ai montré là. Sur le rond en haut à droite, c'est à la même place pour le MetaMask. Et vous pouvez cliquer ici, ajouter, donc importer. Et là, vous pouvez choisir soit le Key Store, donc ça, c'est celui que je vous disais avant, soit alors le Ledger. Voilà. Magnifique ça, ouais, la Et là, classe. vous pouvez ajouter Ledger, laisser le numéro 0, parce que c'est le défaut d'origine. Et ensuite, vous pouvez cliquer importer. Et après, là, il faut que votre Ledger soit connecté. Pour Tout à fait. continuer avec les étapes supérieures. Voilà. Donc là, je suis juste revenu en arrière. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que ici, où vous avez justement le compte, où on va devoir envoyer de l'argent dessus. Donc envoyer des Zilliqa. Et pour ce faire, on va aller sur Binance. Donc là, par exemple, je peux la copier. Et là, je suis sur la plateforme Binance en français. Et dans le portefeuille, si vous allez dans le portefeuille spot, vous allez avoir accès à vos actifs. On va pouvoir chercher Zilliqa. Là, je n'ai pas d'argent dessus. Et vous pouvez mettre retrait. Voilà. Et étant donné qu'il y a eu une upgrade, donc comment on appelle ça? Une Une mise à mise à jour. jour, du réseau il n'y a pas longtemps. Tous les échanges centralisés doivent aussi changer des paramètres. Et c'est pour ça que là, c'est suspendu. Donc, c'est pas possible de faire le retrait pour l'instant. Mais si vous allez sur votre application sur le téléphone, vous verrez quand ça sera de nouveau disponible. Et normalement, c'est prévu que ce soit disponible demain matin à 4 heures. Voilà. Ok, magnifique. Et là, ce que vous allez faire, c'est simplement cliquer et coller l'adresse que vous avez eue avant. Voilà. Vous Moi allez j'aime. choisir le réseau. Le réseau, il est simple, c'est Zilliqa, mais là, il est suspendu. Et puis voilà, vous pouvez ensuite continuer et envoyer. Et ce que je veux vous montrer ici, qui est cool, c'est que le minimum à envoyer, il est de 0,02 Zilliqa. Donc Malade ça. ça représente rien du tout. Voilà. Et on va juste vous montrer, par exemple, Ethereum. Et Ethereum, le minimum, c'est 0,0015. Est-ce que tu serais capable d'aller vite voir Oui, combien ça vaut? 1, 2, 1, 2, 3. Donc 3, ça fait 2, ça fait 20, ça fait 35, 40 centimes environ. Un peu moins, 35 centimes, je dirais. En Ethereum, ça fait 45 centimes. Je vais vite vérifier. Donc on a dit, hop, on va Parce que sortir la d'habitude, calculette. 0,0015 fois, on est à quoi? 2 500 $, je mets. 0, ça fait 37 centimes 5. Après, c'est ridicule. Ça, Ah, c'est le c'est parce que retrait ça varie. minimum. Ouais. C'est parce que ça varie. Ouais. Moi, je me suis vu faire des transactions à
Minimum 20 $, parce qu'à Ouais. cause des transactions Bah, de toute façon, du réseau. de Voilà, toute ça varie. façon, si on fait un envoi pareil, de toute façon, les frais sont à peut-être 500% de cette valeur. Donc, c'est Voilà, là ridicule. Ouais. on voit que là ça coûte pas cher pour Exact. l'instant. Ouais, tout à fait. Voilà. Non, donc, on est à peu près 37 centimes, en effet. Donc là on va retourner sur Binance Mais bon, et 0, si, pour te dire aussi quand même ZIL, donc 0,02 ouais. fois, on est quoi, 11 centimes sur le ZIL? On est à 10 centimes, 10 centimes. 10, Voilà, on est à un cinquième d'un centime sur ZIL, sur Minova. voilà. Et là, je peux pas vous montrer plus loin, mais par contre, ce que je peux vous montrer, c'est par exemple les retraits récents. Voilà. Et là, comme vous pouvez voir, donc on a utilisé le réseau Zilliqa. Et ce qui est assez cool aussi, c'est que l'idée de transaction, donc ici, la preuve, vous pouvez aussi cliquer ici. Et ensuite, vous pouvez aller directement voir sur la blockchain qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est tout simple. Le Binance Wallet 9, c'est le hot wallet de Binance où il y a tous les tokens qui sont en circulation, mais très court terme. Voilà. Et du Les coup, open eux, ils wallets. font les retraits et tous les dépôts sont faits par ce wallet-là. Voilà. Et là, comme vous voyez, là, il y a l'adresse ici que j'utilise. Et j'ai envoyé 153 ZIL, ce qui correspond à environ 15 $. Et j'ai payé 0,15 centimes ZIL, ce qui correspond à 2 centimes. Voilà. Et puis Ça là, a été fait 4 jours. et est-ce qu'on peut voir en combien de temps est-ce que ça a été envoyé ou pas? Alors, c'est fait en un bloc et le bloc, il fait entre 45 et 1 minute environ. Ouais, c'est juste, il y a à peu près, il y a Cinq des secondes, fois il y a une deux blocs en minute. 1 minute, c'est juste. Voilà, exactement. Et ça, vous pouvez le voir, par exemple, dans les blocs ici, comme on expliquait l'autre fois. Là, on voit qu'il y a deux blocs qui ont été faits il y a 2 minutes. Mais si on descend, on risque de voir plusieurs blocs. Et là, environ, il y a deux blocs par minute. Ah, Voilà. c'est rigolo ça. Ouais. Ah ouais, c'est fou. Ouais, c'est assez hallucinant quand on compare typiquement aujourd'hui donc des frais de réseau. Alors on parle même pas d'Uniswap, hein, on peut même parler de simples frais des fois d'une certaine crypto-monnaie. Si je peux prendre par exemple le Cardano, aujourd'hui on veut faire un transfert des Cardano, bah, on va devoir envoyer, je crois, un Cardano, je crois, en frais, donc ça correspond quand même à 1,40 $. Donc on est pas du tout à du 2 centimes, là, typiquement. Donc c'est vrai que c'est super intéressant, c'est rapide, et c'est ça qui est quand même aussi intéressant chez Zilliqa. Le nombre de transactions, la scalabilité est vraiment top aujourd'hui. Après, il faudra aussi voir, il y a eu un test, hein, une personne qui avait fait, voilà, X nombre de transactions, justement pour tester un petit peu aussi le réseau, et c'était assez intéressant à quel point les frais n'étaient pas spécialement si élevés. Exactement, ouais. Ouais. Et là, ce que je vais faire, c'est le wallet que je viens de vous montrer. Je vais le réinstaller parce que j'ai dû désinstaller l'application pour vous montrer comment ça fonctionne. Et du coup, je vais tout simplement réinsérer les 12 mots pour ensuite, après, repartager mon écran. Magnifique, super. Donc, en attendant, regarde si dans le chat, s'il n'y a pas des questions. Ouais, alors en effet, bah, il y a quelqu'un qui a dit, qu'est-ce que ça représente les frais de withdraw en dollars, s'il vous plaît. Donc voilà, donc c'est de 2 Binance en tout cas, centimes. là en l'occurrence, c'était 2 centimes. Donc c'est vrai que c'est très pratique. Ça peut être aussi pratique des fois, il y a des gens typiquement qui vont juste voilà, acheter une certaine crypto-monnaie qui n'est pas trop volatile non plus, et puis ils vont essayer de l'acheter sur une certaine plateforme pour envoyer à une autre plateforme à la place d'envoyer du Bitcoin ou de l'Ethereum, et puis d'envoyer 100 $ et puis de payer 10 $ de frais ou 5 $ de frais. Bah, des fois, vous pouvez rentrer dans une certaine crypto-monnaie comme le ZIL par exemple ou d'autres, et puis vous allez pouvoir après le transférer sur une autre plateforme, puis après, bah, depuis là-bas, les revendre parce que c'est quand même plus intéressant à cause des frais et puis de la rapidité justement aussi de l'envoi. Exactement. Et aussi, ce qui est super intéressant avec Zilliqa, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir vous amuser à droite à gauche avec la blockchain. Et ça, on le verra plus tard aussi dans les lives qu'on fait ensemble. Je vais vous présenter des projets qui utilisent la blockchain de Zilliqa et qui ont aussi une utilité. Donc, ils ont leur propre token et on peut faire plein de choses avec. Vous verrez, c'est super intéressant. Ouais, exactement. Et là, je vais juste rajouter encore les deux derniers mots que je n'ai pas rajoutés. Et ensuite, je serai prêt.
Le stacking jazz, je pense que ça va venir après. Donc je pense qu'on va aborder le sujet du stacking dans à peu près quoi, 15-20 minutes, peut-être 15 minutes. Exact. Ok, super. Exact. Donc le stacking à peu près. Ça. Il est trop fatigué, il a été regarder un match de foot et puis il a trop bu. Donc du coup, il regardera la rediff. Plus tard. Voilà. Je suis juste en train de contrôler pour que ça fonctionne. Aucun problème, fais seulement. Et puis, je vais juste regarder aussi, en effet. Donc, il y avait. Et puis, à la fin, on va aussi regarder, justement, si je ne me trompe pas, hein, de comment est-ce qu'on peut réclamer ces rewards aussi. Exactement. Ouais, ça va être aussi assez intéressant pour toutes les personnes. J'ai juste recommencé parce que ça fonctionne pas. J'ai dû faire une erreur en Dans écrivant le mot. les petits problèmes techniques du live. C'est exactement C'est toujours. ce que la personne disait avant. Ouais. Si vous faites une erreur dans ce que vous écrivez, ensuite Voilà. vous perdez tout au fond. Exactement. Alors là, peut-être que Vince a perdu un wallet avec zéro zil. Attention. Après, ce qui est important de préciser, c'est que je suis dyslexique. Et du coup, ça c'est Ah, toujours mon excuse. ça aide pas. Ouais, t'as une bonne excuse. C'est que je peux toujours dire, ah, mais j'ai eu un problème. Ouais. Excellent. Voilà. Normalement, ça Et devrait puis, pas. Ah, ça va en pleine porte. ça fonctionne pas. Alors en Du attendant, moi coup. ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit sondage déjà pour les personnes. Donc un petit sondage très rapide. Vous connaissez Zilliqa? Je crois que je sais ce que j'ai fait, faux. Voilà. Voilà, petit sondage qui va durer 2 minutes. N'hésitez pas à participer, ça peut toujours être assez fun. Est-ce que vous connaissez Zilliqa? Oui, non, vaguement ou je suis investisseur? Je Très suis intéressant. investisseur. J'ai mis un S, je crois. Oh mon Dieu. On fait tous des erreurs. Moi, Hein. je suis belge, donc c'est vrai que j'ai aussi souvent une bonne excuse. Je connais, je trouve que c'est très intéressant, Zivika. Ok, super. Mamie crypto. Ah, c'est rigolo, on a 35%. Ok, c'est intéressant les votes. N'hésitez pas à participer, c'est vrai que c'est assez intéressant de savoir. En effet, il y a quand même pas mal de personnes en effet, qui sont plutôt sur le non. 6 personnes, oui. 7 personnes, non. 5%, 5 personnes, vaguement. Voilà, j'ai réussi. Et en fait, c'est tout bête ce que j'ai fait de faux, c'est que je ne me suis pas déconnecté de l'autre wallet. Ah Et ouais. du coup, c'est pour ça que j'arrivais pas. Ok, bah voilà. Bah, Voilà. c'est en essayant aussi des fois qu'on apprend rapidement. Hein. Voilà. Du coup, C'est. on en apprend tous les jours. Hein. Exact. Voilà, là, je vais pouvoir quitter un peu les pages qui servent à rien. Parfait. Me voilà de retour. Je peux enfin partager mon écran et là vous Magnifique. devrez voir de nouveau Google. la page Google. Exact. Et on peut aller plus loin et du coup vous oubliez le wallet qu'on a utilisé avant parce que ben, il n'y a pas d'argent dessus. Et là ce que j'ai fait c'est pour la démonstration de ce soir, ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà envoyé des îles sur ce wallet là. Donc on peut déjà aller par exemple cliquer ici et on peut voir, on peut aller sur View Block. C'est, je vous montre juste un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, on peut juste mettre l'adresse ici et on voit qu'il y a eu trois transactions et il y a 398 Zilliqa sur ce wallet. Voilà. Super intéressant ça, ouais. Voilà. Et là, on y reviendra après plus tard. Et maintenant, le deuxième juin. Vous n'avez pas besoin de juin aujourd'hui. Le deuxième lien, pardon. Le J'adore. lapsus, celui-là, il va rester. Ouais, celui-là, il va sûrement rester, pardon. Le deuxième lien que vous avez besoin, c'est stake.zilliqa.com. Voilà, je le repartage également sur le chat pour toutes les personnes qui viennent d'arriver.
Je partage de nouveau les trois liens qui sont juste là. Voilà. Et là, vous arrivez sur la plateforme pour qui s'appelle Zillion, qui est faite par Zilliqa, vu que vous voyez le nom de domaine principal, c'est Zilliqa, pour initier le staking. Voilà. Ok. Donc là, on peut voir un peu des statistiques, on peut voir aussi le bloc. À l'heure actuelle, il est de 1 228 000. Ça change toutes les 1 minute, environ 45 secondes, 1 minute. Et on voit aussi qu'il reste 44 blocs avant la prochaine distribution des rewards. Voilà. Excellent ça. Et Donc, donc, c'est combien de blocs normalement les rewards, tu sais? C'est tous les 1800 blocs. Et Ok. tous les 1800 blocs, ça représente environ 24 heures. Voilà. Mais ça encore, on peut faire un petit aparté, je pense qu'on dit ça comme ça. C'est que la mise à jour qui a été faite aujourd'hui pour le réseau de Zilliqa, elle a été faite parce qu'il y a, ici en bas, vous voyez, il y a les seed nodes, c'est ce qu'on expliquait l'autre fois. Et en fait, il y a Moonlet qui a dit que c'était trop lent. Donc, c'était plus 24 heures, environ 24 heures, mais c'était plus 28 heures. Voilà. Et du coup, vu que le réseau il allait moins vite, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est faire une network recovery. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais c'est juste La de récupération de... réinitialiser le réseau pour faire en sorte qu'il aille plus vite. Voilà. Ouais. Et il y a, ce qui est important de dire, c'est que ce n'est pas 24 heures pile poil, voilà, les 1800 blocs. Et pourquoi? Parce qu'une blockchain n'a pas de temps. La blockchain, elle peut aller jusqu'à l'infini. Ce qui compte, c'est le nombre de blocs. Et en fait, le nombre de blocs devient le temps, si vous voulez, dans une blockchain. Et je vous donne un autre exemple. Si vous prenez le Bitcoin halving, c'est tous les 12 400 blocs, je crois, ou quelque chose comme ça. Je sais pas exactement, mais c'est tous les 4 ans. Mais c'est pas tous les 4 ans jour pour jour. Ça Ouais. peut toujours modifier, c'est Je sais toujours plus combien de blocs en effet. Aléatoire, voilà. Mais c'est tous les 4 ans environ. Bah là, c'est la même chose, c'est toutes les 24 heures environ. Voilà. Parce que le temps n'est pas important dans la blockchain. Voilà. Ah ouais, c'est apparemment le halving, c'est Bitcoin halving occurs every 210,000 blocks. Voilà, Tous les exactement. 210 000 blocs, Voilà. tel halving. Et ça Environ dure 4 ans. environ 4 ans, mais on peut jamais être sûr. Voilà. C'est ça, exactement. Ok, ça c'est super, ouais, super intéressant. Et ici, ce qu'on peut voir, c'est le nombre de délégateurs. Donc, c'est les personnes qui délèguent leur Zilliqa au réseau de la blockchain. Et là, on voit qu'il y a déjà 70, presque 79 000 personnes qui délèguent, donc wallet, qui délèguent pour environ 12 nœuds. Voilà. C'est énorme. Après, ce qui est aussi important de dire, c'est que ça, c'est les nœuds qui sont publics, c'est-à-dire qui sont accessibles aux investisseurs comme nous. Mais vous pouvez aussi créer votre propre nœud si vous voulez. Voilà. Et moi, j'ai commencé juste pour vous donner une petite idée. Je trouve ça toujours marrant. Je fais une capture d'écran. J'ai commencé, j'étais dans les 4000 premiers Oh. à donner de l'argent ici. Voilà. Excellent ça. Donc, comme ça, vous pouvez voir un peu l'expansion qu'il y a eu. On va bientôt atteindre les 100 000. Donc, c'est super intéressant. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous n'avez pas besoin de 2 000 $, comme il expliquait ton compatriote qui est venu avant, Ouais. vous n'avez pas besoin de 2 000 $ pour initier le staking. Voilà. Ça, c'est complètement Ici, ça différent. commence uniquement avec 10 Zilliqa, on va le montrer après, juste avec 10 Zilliqa, ce qui représente environ 1 dollar. 1 dollar, vous pouvez initier le staking. Voilà. Et là, ce que vous voyez, c'est ce que vous gagnez. Donc là, c'est ce que vous voyez, c'est combien il y a de Zilliqa en circulation qui sont staked dans le staking. Voilà, donc 33% des Zilliqa qui sont en circulation, soit qui sont sur des échanges, soit qui sont sur des wallets, ils sont En staking. dans le staking. Voilà. Donc c'est pas 33% de la total supply. Non, Voilà, non. on est bien d'accord, ouais. Voilà. Magnifique ça, ouais, c'est beaucoup, hein, 33%. Voilà, exactement, oui. C'est énorme. Et puis Et aussi, là, bah, voilà. on parle beaucoup aussi des fois quand je passe vite faire un petit tour sur Etherscan typiquement, puis on regarde le nombre de holders qu'il y a sur les
sur des projets. Puis on parle voilà, de 100 000 ou 120 000 sur un projet. On parle déjà de beaucoup d'holders, en toute honnêteté. C'est qu'on voit qu'en effet, il y a vraiment une grosse communauté. Et là, on parle de 80 000, mais qui sont en stacking. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui sont, voilà, qui ont acheté des îles, mais qui ne sont pas spécialement des stackers. Ils peuvent peut-être avoir acheté des îles parce qu'ils font du trading et puis ils veulent les revendre dans 2, 3 jours aussi. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Exactement. Et là, ce que vous pouvez voir plus bas, c'est tous les nœuds qui sont à disposition pour vous pour faire votre staking. Voilà. Et le plus populaire, on voit, c'est Moonlet. Et pourquoi c'est le plus populaire? Tout simplement parce que c'est une application mobile. Donc c'est très simple à utiliser. Le pas entre le monde traditionnel et la blockchain est réduit à néant. Et donc c'est pour ça qu'il y a, comme on peut voir ici, 17 350 les délégateurs. Voilà. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est les commissions. Donc combien l'opérateur du nœud va vous facturer. Et là, on parle de 5%. Voilà. Et on voit que ça varie. Mais sur le long terme, normalement, ils devraient tous aller comme celui de Zilliqa, donc le principal, à 12%. Voilà. Mais nous, on a la chance d'être encore très précurseur dans ce milieu-là. Et c'est pour ça qu'au début, ça coûte beaucoup moins cher. Là, on peut voir, ça, c'est un échange centralisé. Je ne sais pas si vous connaissez, mais on parle des taux de commission de 1%. Voilà. Assez faible. Donc, c'est rien du tout. Et le plus important que je vais vous mettre en avant aujourd'hui, ben, ce n'est pas un conseil d'investissement ou quelque chose comme ça. C'est de choisir plutôt Zilliqracy. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui est basé sur la communauté de Zilliqa. Et tous les rewards, donc tout ce qu'ils vont gagner ici, les revenus, vont être utilisés pour le bien de la communauté. Et je vous donne un exemple. Pendant la période de Noël, tous les jours, il y avait des gens qui gagnaient des prix comme des PlayStation 5 et des choses comme ça, tout simplement parce qu'ils faisaient partie des 4 000 personnes ici qui contribuent au réseau par le biais de Zilliqracy. Voilà. Et on parle de frais de 5%, ce qui est totalement raisonnable par rapport aux autres. Voilà. Ouais, tout à fait. Ça, c'est super intéressant du coup. Alors, c'est bien d'avoir donné un petit update en rapport à, aussi avec ce qui se passe Voilà. avec cet argent-là, du coup, façon de parler. Parce que c'est toujours un peu le problème, on arrive sur une plateforme et on voit qu'il y a plein d'options. C'est toujours comme ça. Il n'y aura jamais un chemin pour aller au résultat. Et du coup, comme vous pouvez le voir ici, il y a énormément d'options. Je prends Zillette par exemple, on peut aussi créer notre wallet directement sur Zillette et on peut directement aussi initier le staking. Tout le monde connaît KuCoin en général, une plateforme Oui. d'échange centralisée. ViewBlock, c'est l'explorer qui est l'équivalent de Etherscan. Et toutes ces entités-là, je dirais, ont leur propre seed node, donc leur nœud, pour valider les transactions dans la blockchain. Voilà. Et là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est aller directement dans le vif du sujet. Et ce que vous devez faire ici, c'est simplement vous connecter en tant que délégateur. Et comme on peut le voir ici dans l'extension, j'ai mon wallet, le nouveau, avec de l'argent dessus, et il est débloqué. Donc, c'est-à-dire que j'ai mis mon code, il est accessible. Voilà. Donc, je peux simplement cliquer sur me connecter. Je vais choisir Zilpay si j'ai créé mon compte sur Zilpay. Et je vais choisir Ledger si je dois activer mon wallet grâce à un Ledger, donc une clé USB externe. Voilà. Donc là, on va ici et là, on débloque notre portefeuille et on se connecte. On regarde toujours ici que l'adresse soit juste et aussi que là, Le site sur lequel tu vas, ouais. le nom de domaine soit juste aussi. Voilà. Tout à fait. Là, ça prend un tout petit peu de temps. On va en profiter pour boire. Donc il y a pas de est-ce qu'il y a des frais? Bah oui, tu vas sûrement aborder directement le sujet aussi. Des frais instantanés pour te mettre en stacking, des choses comme ça. Alors ça, je vais vous montrer les Ouais. frais, c'est très transparent. Je vais vous montrer ça Magnifique. directement. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est si vous avez un portefeuille vierge, donc vous avez encore pas fait de rewards, vous n'avez pas fait de staking, ici, normalement, vous n'avez rien.
vous n'avez pas de dépôt. Voilà. Et là, on a la même chose qu'avant. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour cette vidéo, j'ai décidé de mettre 53 îles, ce qui correspond à 5 dollars, 5,3 dollars. Et je les ai mis chez Silicracy, comme ça je peux vous montrer ce que j'ai gagné en environ une semaine. Voilà, j'ai gagné 0,037 Zillica. Voilà. Tu es Mais à c'est peu juste près. pour vous montrer, Ouais. c'est juste pour vous montrer le fonctionnement. Et j'ai mis des toutes petites sommes pour vous montrer que c'est accessible vraiment à tout le monde. Voilà. Tout Et à là, on peut fait. voir que le bloc, il est descendu de 44 à 27. Voilà. Exactement, ouais, magnifique ça. Et c'est donc Et le pourcentage aussi annuel à 13,4%, donc on est à peu près à un bon voilà. 1% de rendement par mois. Donc ça, c'est des Voilà. pourcentages qui correspondent plutôt à de l'immobilier. Typiquement, si on prend aujourd'hui de l'immobilier tokenisé, aujourd'hui, donc via la crypto-monnaie, parce que même l'immobilier de 13,4% aujourd'hui, c'est déjà vraiment énorme, classique. Mais si on parle de typiquement chez Realty, aujourd'hui, on est plutôt entre 9 et 12% annuel. Et ça parle, là, on parle d'investissement dans l'immobilier sur lequel on peut aussi commencer avec 50-60 dollars. Mais là, typiquement, bah voilà, c'est des pourcentages qui sont extrêmement, extrêmement hauts, je trouve. Franchement, c'est magnifique. Mais c'est bien parce que c'est de nouveau. Alors, on va être payé en ZIL. Donc, après, ça dépendra beaucoup du prix du ZIL à plus long terme aussi. Mais c'est des jolis pourcentages de rendement, vraiment. Et on va être payé en ZIL, mais on va recevoir aussi des JZIL. Et Ouais, ça, c'est exactement. important de le dire. Mais ici, je ne les ai pas parce qu'en fait, il faudrait 1000 Zilliqa pour recevoir un JZIL. Voilà. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, c'est écrit 0 ici. Mais dans le futur, il y aura des nombres ici. Et il y aura Voilà. des après la virgule, il y aura. Voilà. Dès que là, il y en a un, ça veut dire qu'il y aura Ouais, 0,001 ici. je vois, ok, Voilà. je Dès qu'il y vois. a un Zilliqa ici, il y a 0,001. C'est le reward que tu reçois, On reçoit les deux. ouais, je vois, c'est 1 pour 1000 en rapport avec le GZIL. Voilà. Et Et puis. là, à l'heure actuelle, il est environ à 1200. Il se vend au marché secondaire à environ 1200 Zilliqa. Donc, quand on le reçoit pour le ratio, il est de 1 000. Mais dès qu'on le change, si on veut le changer pour le vendre, le ratio il est déjà plus haut, il est 1 pour 1200, 1300 environ. Voilà, Ouais, et ça magnifique. varie tous les jours. Mais il est, selon moi, tout au début, il est peut-être descendu un petit peu en dessous de 900, mais depuis, il a toujours été plus haut que son taux initié. Ouais. Tout au début, il a toujours été plus haut. Voilà. C'est vraiment super intéressant. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux choses. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un autre ici. On pourrait très bien prendre le même, hein. Mais on va prendre un autre et on va initier le staking. Comme ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on va prendre ViewBlock ici et on va appuyer sur Stake. Voilà. On voit le taux de commission, il est de 4%. Et ça, c'est l'adresse de ViewBlock. Voilà. Ici, le montant minimum, il est de 10 Zilliqa, donc 1 dollar. Voilà. Accessible à tout le monde. Et on voit notre wallet, la balance qu'on a, donc combien de ZIL on a à mettre. Et ici, très important à lire, il faut toujours s'assurer d'avoir minimum 100 Zilliqa sur son wallet pour payer les frais de transaction. Les frais de transaction, ils coûtent pas 100 Zilliqa. On a déjà vu avant, ils varient entre 0,1 Zilliqa 1,62, je crois que c'était. et ça peut aussi monter jusqu'à environ 3-4 Zilliqa dès que vous faites des créations de smart contracts. Ouais, Voilà. c'est logique. Voilà. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout simple. On va mettre 10 Zilliqa, juste pour vous montrer que ça fonctionne vraiment avec des tout petits montants. Et cliquer sur Stake. Et là, on arrive, comme sur l'extension MetaMask, on doit valider la transaction. Voilà. Donc là, ils écrivent 60. Donc c'est le minimum, le strict minimum que vous avez besoin dans votre wallet. Sinon, avec l'algorithme, votre transaction, elle ne pourra pas être validée dans tous les cas. Eux, ils préconisent 100, donc ils laissent quand même une marge d'erreur, mais vous pouvez théoriquement descendre, donc si vous regardez dans le code, vous pouvez descendre jusqu'à 70 Zilliqa D'accord. maximum. Donc ça, c'est pas le Minimum, voilà. prix
C'est Non, pas ça c'est les pas ce que vous coûts. allez payer, non. Ok, parce qu'il faut, c'est un petit peu trompeur en rapport avec ce Oui. qu'on a l'habitude aussi typiquement sur Uniswap. Alors moi, typiquement, hein, c'est la première chose que je vois, c'est que ah, c'est cher les frais de transaction, mais c'est pas les frais de transaction. Mais je vais vous montrer, oui, c'est les frais de transaction, mais c'est une estimation. Ah, c'est En une fait, c'est une estimation. Ok. estimation qui est super haute, mais en réalité, je vais vous montrer, vous allez payer environ 1, quelque chose silica. Super Voilà. intéressant. Mais si on ne le dit pas, c'est clair qu'on ne peut pas le savoir. Voilà. Là, je vais mettre confirmé. Si demain on a façon de parler tous les minutes à peu près 1000 transactions par seconde, ça peut faire en sorte que le prix puisse augmenter? Non, Des coûts? Non? il va pas augmenter exponentiellement. Ok, magnifique. Non, non. Ça va rester aux alentours de 1 à 3, 4 silica. Le maximum que j'ai payé, c'était 4 silica en tout. Et là, si je peux me permettre de continuer, on peut cliquer sur terminer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir dans la blockchain qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, on voit qu'il y a une transaction qui a été initiée, donc triggered, ça veut dire initiée. Elle est de 10 illica, donc 1 dollar. On peut le voir ici. Et on peut directement cliquer ici. Et là, on voit le nonce. Le nonce, c'est toujours le. Et là, on voit que la transaction a été complétée À à l'instant même. l'heure, à l'instant même. Donc ça a duré 45 secondes maximum. Exact. Voilà. Et ce qu'on va aller voir, c'est combien ça nous a coûté. Voilà. Et là, on voit, on a déposé 10 illica dans le Seednode staking qui nous a fait des frais de transaction de 19 centimes. Ouais, Voilà, voilà. 1,8 illica. Parce que Voilà. si on revient juste en dessus, juste où tu vas, où t'avais montré avant, pardon, l'extension de, je crois que c'était là, voilà. Et tu as appuyé sur Triggered, voilà. Là, on voit dans le gas fee, on voit 60 îles. Et Il est donc il toujours faut, de 60. voilà. Mais Donc il c'est une faut, estimation. voilà. Faudrait presque en fait regarder avec Zilliqa s'ils sont intéressés de mettre peut-être entre parenthèses estimated, parce que ça pourrait être assez trompeur pour des gens et ça C'est pourrait des vrai. fois bloquer les gens mentalement. De se dire, je vais pas faire une transaction à 70 îles. Attends, ça me coûte 6 balles pour faire une 6 transaction dollars. avec mes 20 balles. Bon, pour moi, c'est trop cher. Et donc, ça Exact. peut faire fuir en fait, en effet, des petits investisseurs qui veulent goûter à qu'est-ce que c'est finalement de tester des blockchains, de tester en effet, comme tu le fais à l'instant, le stacking, de pouvoir rentrer, en ressortir, prendre un petit reward, voir comment ça fonctionne. Si moi, je peux faire 20 tests et puis j'en ai eu pour 10 dollars de frais, façon de parler, waouh! Franchement, je suis le premier à vouloir faire des tests sur une blockchain parce que c'est super intéressant. Aujourd'hui, c'est trop coûteux typiquement sur l'Ethereum, donc c'est même pas intéressant. On peut même pas faire des tests. Et ben, ça, c'est super intéressant, vraiment super cool. Si tu fais 20 tests, tu vas payer 40 îles et 40 îles, ça va te coûter 4 4 dollars. dollars. Ouais, Donc voilà. 20 tests à 4 dollars. C'est fou, hein? Non, c'est Voilà. assez hallucinant. C'est juste pour vous montrer à quel point c'est accessible à tous. Et c'est vraiment le problème à l'heure actuelle avec les blockchains, c'est que de 1, c'est très compliqué. Et de 2, les gens n'ont pas la force de passer leur temps à essayer de comprendre quelque chose qui est en anglais et qui n'est pas dans leur langue principale. Tout à fait. Et ça, c'est aussi un problème. Voilà. Et du coup, c'est ce que nous, on essaie de faire, c'est le rendre accessible à tout le monde et aussi à des communautés qui ne parlent pas anglais. Et typiquement, ben moi, je le fais en français parce que c'est ma langue maternelle. Et d'autres collègues le font dans d'autres langues. Voilà. Exact. Non, mais c'est top. Alors, du coup, c'est vraiment super agréable en effet de pouvoir discuter de Zilliqa, mais en français. C'est pas toujours évident de faire de traduire vraiment en live certaines choses et autres, donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir le faire en français, vraiment. Il y a Et une. là, comme on peut le voir, oui, il y a une question. Ouais, mais vas-y seulement, je te laisse Comme finir. on peut le voir, ben la balance, elle a baissé de 10 illicas plus les 1,8. Donc, on est à 386 illicas. Voilà. Exactement. Non, Donc, un total de 40 dollars sur le wallet. Ouais, c'est fou. Ouais, c'est vraiment fou. Quelle était la question? Alors, il y avait une question ici de Ketsun Bay aussi. Pourquoi Zilliqa a le même algorithme de hash age que Ethereum? Sacrée question. Le hash age. Je ne saurais pas répondre à cette question. Le Pareil. hash age, c'est. Je pense que c'est le. Au départ, là. Je pense que c'est le transaction hash qu'il aimerait parler.
Peut-être qu'il développe un peu plus sa question pour qu'on essaye de comprendre, ou peut-être qu'il est tout simplement plus. Je pense qu'il parle du H ici. Et le H, il commence par 0x6e. Et ça, c'est exactement la même chose que sur Ethereum. Voilà, c'est fort Exactement. probable que ce soit ça. Écris-nous dans les commentaires si on parle vraiment de ça. Et si on parle Oui, bien de c'est vrai. ça, je pourrais pas te guider sur cette question. Voilà. Par contre, si on veut avoir des réponses aujourd'hui, typiquement en français, alors j'ai partagé avant aussi pas mal de fois, mais je vais le repartager encore une dernière fois ici sur le chat. Je ne veux pas non plus trop le spammer, mais il y a le groupe Telegram aussi, donc de Zilka français. Je vous invite vivement, et d'ailleurs je vais le faire moi à l'instant même, parce que je suis même pas dessus. Donc je vous dis de rejoindre, et puis moi je suis pas encore dessus, donc je rejoins à l'instant même, voilà. Donc du Et coup, si venez vous... mettre un peu du feu là-dedans. Voilà, on peut venir Venez poser... poser vos questions. On vient poser des questions, c'est français, donc du coup c'est vraiment parfait. N'hésitez pas à venir rejoindre, c'est gratuit. Je vois que Palmera vient de rejoindre aussi. Bienvenue Palmera, super cool. Je vois qu'il y a du monde du coup qui rejoint, magnifique. N'hésitez pas à Trop aller faire cool. un petit tour justement pour pouvoir poser vos questions et justement qu'on peut pas toujours répondre parce que voilà, typiquement sur le côté aussi des fois un petit peu du codage ou des choses un petit peu plus que les développeurs peuvent répondre, bah, c'est pas trop ton métier non plus. Tu peux après naturellement mettre des fois de côté pour y répondre des fois plus tard. Mais il demande aussi si vous avez Discord. Oui, il y a Oh. Discord de Zelika, bien sûr. Aussi en français? Mais pas encore en français. Ça va arriver? Et il va, il, c'est, ça va venir, c'est coming soon. Nice, ça c'est super cool. Et ouais. Ouais, Discord, ça va être Et super bien. ça, je vous dirai la prochaine fois, dès que j'ai la news, je vous la donnerai. Voilà. Mais Magnifique. c'est dans la pipeline, donc c'est dans la. Je sais pas les mots comment on les utilise en français. Pipeline, la pipeline, ça veut dire C'est c'est dans dans le la. suivi C'est du... dans le suivi, c'est dans les objectifs de Zilliqa sur le court terme. Voilà. Exact. Et là, si on peut continuer, donc ce qu'on peut voir, c'est que le montant total déposé, il a augmenté de 10 Zilliqa. Et on peut le voir là en bas. Voilà. Et là, on a deux nœuds. Maintenant, on a non seulement Zilla Classic, mais aussi ViewBlock. Voilà. Et là, on voit nos 10. Et maintenant, ce que je veux juste vous montrer. C'est sur la blockchain. Donc, quand je clique sur mon compte, je vais voir les staked ici. Et là, il y a une chose qu'il n'y a personne qui dit. Et si vous êtes débutant, vous allez poser exactement cette question-là. Et en fait, c'est la chose suivante. C'est que là, Zilacracy, j'ai mon montant qui est ici à gauche. Et il y a 53 Zilliqa. Et ViewBlock, le montant, il est ici. Il est dans le buffered. Buffered, ça veut dire quoi? Ça veut dire tampon. Et en fait, il est tamponné. Donc, ça veut dire qu'il est mis en attente jusqu'à ce que le prochain bloc, il arrive. Voilà. La prochaine session de rewards, elle arrive. Magnifique, Donc là, tu as répondu à une question que je voulais te poser en plus. à l'heure actuelle, il reste encore 9 blocs. Et on va les attendre parce que 9 blocs, ça correspond à 8 minutes. Donc c'est beau et je pense que si je refresh, on est à 5 blocs, voilà, donc ça fait Magnifique. plus que 4 ou 3 minutes. On va Et en pouvoir le fait, on va voir. voir la différence en direct, ce qui est magnifique. En termes de timing, on n'aurait pas pu être mieux. C'est que là, on est dans le buffered et du coup, vous recevez pas encore les rewards. Vous les recevrez uniquement à partir de la prochaine session de rewards qui est maximum après 1800 blocs. Voilà. Et là, il nous reste encore 4 blocs environ. Donc c'est tip top, c'est cool. Ouais, exactement. Moi, parce Est-ce que que je te... tu as d'autres questions? Bah, moi je voulais te poser en fait la question parce que bah je me suis dit moi personnellement je viens toujours chercher du profit quelque part. Puis moi j'adore les chiffres et quand je vois du 13,4% sur lesquels tous les jours on a un reward, je me dis ah, il y a quelque chose peut-être à faire. Et je me suis vite fait j'ai fait un calcul très rapide pendant que je t'écoutais et puis je suis arrivé en fait que daily, en fait tous les jours, on gagne 0,036%. Et pour moi en tant que trader scalper à l'époque, mais je cherchais des fois du 0,1%, j'allais pas chercher des gros profits. Et si bah, je me dis que finalement bah, je peux venir avec 100 000 dollars, façon de parler, ou 1 million de dollars, et je viens déposer mes fonds en 2 îles à la dernière minute ou les 2 derniers blocs avant le reward, et puis que je peux prendre ces 0,036% et après je peux de nouveau les unstacked, et ben, je me dis, attends, je peux faire du profit rapide. Mais en fait, c'est pas le cas. Donc, parce Tu qu'il les faut. prendras pas. Voilà, il faut faire ton Voilà. stacking avant que le nouveau bloc recommence. Et ça, c'est une bonne chose justement pour éviter déjà plein de choses différentes. Ça, c'est génial.
Mais Voilà. si. Et juste pour rajouter à ce que tu dis, il y a deux choses que je veux rajouter. De un, l'objectif principal de Zilliqa, c'est que la blockchain soit utilisée et utilisée de manière décentralisée. Ce qui veut dire, c'est que le token ZIL doit avoir de l'utilité. S'il n'a pas d'utilité, ça ne sert à rien d'avoir une blockchain. Et là, dans ce cas-là, l'utilité du token ZIL, dans le contexte actuel qu'on parle maintenant, c'est de le mettre dans le staking pour pouvoir valider des transactions et pour que les gens restent sur le long terme. Il y a aussi ce que je vous ai pas dit au début, c'est que quand vous allez faire le unstaked, ça va durer une période de 14 jours environ. Avant Et de recevoir 14 de nouveau les jours îles. avant de recevoir de Ok. nouveau les îles, et juste pour faire vite fait le calcul, parce que je pense que c'est une question qui va être posée, c'est tous les 20, je crois que c'est tous les 24 000 blocs. On va regarder ça ensemble, on va le faire. Mais ce que je veux faire d'abord, là il reste qu'un bloc, donc c'est magnifique. Je peux même vous montrer où il est le bloc. Magnifique. Et Le puis, bloc, il est là. pendant le unstack, on reçoit pas de rewards, on est d'accord. Voilà, et ça dure de 14 jours, mais c'est en temps bloc, et je vais vous dire le nombre de blocs après. Magnifique. Mais on ne reçoit pas de rewards. Voilà. Et c'est c'est même pas pour obliger, c'est pour donner un incentive. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais c'est pour donner de l'utilité sur le long terme et pas uniquement sur le profit du court terme. Maintenant, comme tu le disais, c'est donné tous les jours. Et ça, c'est important aussi de le noter, parce que ça veut dire que théoriquement, tous les 1800 blocs, je pourrais ici aller dans Manager et puis claim les rewards. Donc ça veut dire les récupérer. Et ce que je pourrais faire théoriquement, c'est les remettre dans mon montant ici pour ne plus gagner les 13,4% là-dessus, mais pour gagner les 13,4% là-dessus, plus le montant ici. Donc Exact. c'est-à-dire qu'après, je gagnerai plus. Et ça, c'est l'intérêt composé. Voilà. Et on sait Exact. tous que l'intérêt composé, c'est exponentiel. Donc c'est-à-dire que si on fait du 8% annuel avec 1 000 $, dans le temps, après 20, 40, environ 40 ans, on arrivera environ 1 000 000. Voilà. Mais il doit être composé, l'intérêt. Et tant qu'on n'a pas fait le claim rewards et qu'on l'a composé, ben, on reçoit toujours linéairement, si On ne vous reçoit pas voulez. spécialement On plus. recevra toujours 13,4% des 53 îles. Voilà. Donc là, ça peut peut-être prendre un peu plus de temps parce qu'il y a le, C'est ça le doit dernier gros changer. bloc. Ouais. Voilà. Mais il va passer tout bientôt. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est comment. Oh. Pourquoi pas 16 ou pourquoi pas 20? Voilà. Il y a eu. Attends, Et ça, si je tu peux pense que. juste répéter, Ouais. parce qu'en fait, il y a eu un bug. Il y a tout qui s'était éteint. Si tu Ah. disais juste, voilà, mais des dernières 5 secondes. Non, toi, t'es tout bon. C'est. Ah, ok. Non, voilà, désolé. Tu disais Ce que je juste. voulais te Ouais. dire, c'est. Ce qui est important, je pense, de te dire, c'est d'où vient ce 13,4%. Et ça peut être intéressant pour vous parce qu'il va varier aussi. Et en fait, je vous explique. Ici, on a 13,4%. Pourquoi? Parce que plus le montant, on va juste retourner, on va sign out. Voilà, on va aller là, dans les statistiques. Plus le montant en circulation qui est staked, il augmente, plus le taux d'intérêt, il va descendre. Voilà. Et ça, c'est important de dire, mais ça veut dire que si ce montant-là, il descend, si ce pourcentage-là, il descend, celui-là, il va monter. Voilà. C'est le concept, c'est comme ça que ça fonctionne. Et les Jizzils, ils sont en quantité limitée. Donc, il y en a, comme on disait, il y en a moins d'un million, il y en a 720 000 environ. Et ceux-là, il y en a 300 000 environ, 360 000 qui sont en circulation. Voilà. Et Ouais. ça, on prévoit, donc dans Zilliqa, on prévoit que le diesel ne va plus pouvoir être gagné, donc minted, gagné par le biais du staking d'ici novembre 2021. Voilà. C'est une estimation qu'ils font. Pour vous dire juste,
Le staking chez Zilliqa, ça a commencé en novembre 2020 environ. Ah, c'est fou, hein. Ce serait une année pour aller chercher tous ces Voilà. Gésils. Ouais. Et maintenant, à quoi ils vont vous servir? Cela, on verra dans un autre live. Mais juste pour faire court, c'est la gouvernance. Donc, c'est-à-dire que vous avez le droit de vote. Voilà. Et ce qui est très important, je trouve, pour beaucoup de projets à plus long terme, en toute honnêteté. Voilà. Et ça, je Et vais vous montrer. Ce qui est bien, c'est que c'est bien d'avoir ces tokens. Mais ce qui est mieux, c'est qu'en plus, c'est déjà utilisé. C'est-à-dire, il y a déjà eu des votations. Et ça a déjà été testé, si vous voulez. Donc ça, c'est magnifique, mais on le verra dans un autre live. Et là, je vais juste essayer de me reconnecter pour voir. Puis en attendant, pour répondre aussi à la question en rapport avec l'algorithme, c'est en fait EtherMash en fait. Donc c'est à la base en fait, ils ont utilisé l'algorithme de Ethash, qui est originaire d'Ethereum. Exact. Et là, si je peux continuer plus loin, on voit qu'il y a 2200 blocs, Voilà. mais normalement c'est 1800. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que et c'est beau parce qu'en fait dans cette vidéo on peut vraiment tout faire, on peut aussi faire les petits cas spéciaux où il y a des choses qui se Excellent. passent qui ne devraient pas passer normalement. Mais en fait, je vais vous expliquer. C'est qu'à la base, normalement il y a 1800 blocs, donc toutes les 24 heures environ. Mais vu que le réseau il a été mis en pause, et là je peux vous le montrer. Je vais vous le montrer, je pense qu'on va dans la troisième. Ouf, on va pouvoir aller un peu plus loin. Là je suis dans les blocs, dans l'explorer, si jamais. Là on voit qu'il y a 2 heures. Et en fait on va avoir un trou de 7 heures. Trois heures. Je ne sais pas s'il y aura. Normalement, il devrait y avoir. Ah, là, Ah, il y mais a 4 heures. En fait, je suis bête. Là, il y a 4 heures de C'est que décalage. en fait, là, il y a des zéros partout. Donc, en fait, il n'y a pas eu de transaction. Vous voyez, il n'y a presque pas eu de transaction. Et en fait, c'est juste parce que le réseau, il était bloqué. Et là, ils ont juste fait des tests. Ah ouais, bah Voilà. oui, tout à fait. Et en fait, tous ces blocs qui n'ont pas été utilisés par la blockchain, ils sont récupérés ici. Et c'est pour ça qu'il y en a 400 de plus. Ça a Donc duré c'est... environ, bah on fait le calcul, 7, 14, 21. Voilà. Et on fait 1008 divisé par 3, ça fait environ 4. Ouais, Ça fait c'est pas juste. 400 même, mais ça fait presque. Voilà. Ouais, c'est juste, ouais. Faut les récupérer d'une certaine manière. Donc du coup, en Et fait, là, voilà. ce sera une journée qui va durer un petit peu plus longue que prévu. Enfin, une journée. Normalement, les 1800 blocs, ça correspond à peu près à 30 heures. Donc ça sera donc un petit peu plus maintenant pour attendre le prochain reward. Voilà, exactement. Et puis, est-ce que tu veux peut-être nous montrer aussi le buffered, comme c'était écrit? Ah ouais, très bonne Le idée. Stamful? Le Stemple. Là, on va retourner ici et on va aller voir cette ici. Parce que les Et îles là, dans les sont staked, limitées. ils n'ont pas été passés de l'autre côté. Peut-être que ça prend un peu plus de temps, je sais pas. Mais normalement, ils vont passer de l'autre côté. Peut-être qu'il faut attendre le 1799e bloc. Ah, Peut-être. bien joué, Ça peut être peut-être. un truc à analyser. Ça peut être assez C'est vrai. sympa à savoir ce qui va se passer. Ouais. Ok, super Exact. intéressant, ouais, en tout cas. C'est cool d'avoir vécu ça, en effet, en plein live, de voir en effet déjà le mécanisme, le fait maintenant aussi que tu as gagné 0,037 zil en rewards aussi. Donc ça, c'est vraiment cool. Et Et là, est-ce qu'on peut faire, c'est accélérer très vite, juste pour vous montrer la fin? C'est que c'est tout tout simple. Ici, vous allez sur Manager et ensuite vous pouvez simplement claim les rewards. Et puis là, vous allez les claim. Donc il y a 0,00, 0,037 Zilliqa, ce qui correspond à 0 zil, G-zil, parce qu'il n'y a pas les chiffres après la Bien sûr. virgule. Et ensuite, vous passez une nouvelle transaction. C'est tout simple. Exact. Là, par contre, Voilà. pour la transaction, du coup, ce sera aussi normalement, il y a des frais. Ouais. Et là, Voilà. le frais, on va les montrer, c'est. Je ne sais pas si c'est une création de contrat qui va être 3 Zilliqa. Je sais qu'il y a un système, en fait, c'est faux. Je sais qu'il y a un système très précis. Si vous claim les rewards tous les jours, vous allez payer un certain montant. Et si vous le faites tous les semaines, vous allez payer un autre montant. Et si vous le faites tous les mois, vous allez payer un autre montant. Donc ça dépend.
Voilà. Parce que si tu peux Mais je automatiser serai. par semaine ou par Voilà. mois, comme ça. C'est pas possible d'automatiser. Donc, c'est-à-dire que vous aurez toujours besoin de venir sur la Ok. plateforme et l'automatiser. Parce Parce que que ça. c'est vous qui êtes en contact avec votre wallet. C'est pas eux. Ça peut être assez intéressant, peut-être, pour Voilà. Zilliqa, pour diminuer aussi des frais. Je ne sais pas si c'est possible. En rapport avec les blocs, c'est de pouvoir, par exemple, faire en sorte que si les gens ils automatisent les frais de, enfin, les transactions par semaine, weekly ou monthly, puis vous mettez une certaine date et une certaine heure, qu'en fait, vous arrivez à regrouper, en effet, je ne sais pas, par exemple, 10 000 personnes qui veulent faire absolument par semaine, ben, vous allez regrouper, en fait, 10 000 transactions dans un bloc qui va peut-être pouvoir faire en sorte de diminuer encore les frais pour chaque personne. Et qu'en fait, toutes ces personnes qui vont prendre en weekly, à la base de payer, je sais pas, 3 îles, bah, qui vont peut-être devoir payer que 0,3 îles. Et ça pourrait être peut-être assez un truc aussi. Je sais pas si c'est possible, hein, je ne connais pas assez les cas pour ça, de sa scalabilité en rapport avec les frais, mais ça pourrait être assez intéressant. Ouais, Ah voilà, ça 3,3 serait frais. très intéressant. Et là, comme on voit, c'est une création de contrat. Et du coup, on arrive à 3,3. Voilà, Ouais. Zilliqa. Donc, ça représente 34 centimes. Voilà. Magnifique ça, ouais. C'est. Et là, si on peut voir ici, on a reçu de l'argent en plus, mais on a payé, donc c'est pas beaucoup monté. Exact, Voilà. c'est tout à C'est fait pour ça ça. qu'il faut toujours faire attention. Faut Et pas là, payer plus que ce que vous allez je prendre comme vois, reward. voilà. Là, ce que je vois avec vous en réel, c'est que là, c'est toujours écrit zéro. Mais ce Si qu'on on va vient faire, sur c'est View juste Block, aller voir sur ViewBlock combien de dans zéro? les tokens. Ah, tu peux appuyer sur la H, ouais. Tu étais dessus, je crois. Juste avant, ouais. Là, dans la H, tu peux appuyer parce que c'est le. Ouais, mais ça va pas le montrer. Ah, ça va pas le montrer. C'est que là, je dois. Voilà. Et là, vous voyez, il y a un token qui est apparu. Et il Ah ouais. n'était pas avant. Ah ouais, magnifique. Et en fait, c'est le Jizil. Il est à zéro, mais il est à 0,0. Ouais, Voilà. Il est à exact. 0, quelque chose. Mais on sait pas quoi, mais il y a quelque chose qui se passe là. Ouais, Voilà. ah, c'est super excellent ça. Voilà. Mais ensuite, vous pouvez aller là. Mais là, vous le verrez pas. Voilà. Du coup, Là, il est 0,0. quand tu fais le claim de reward, il y a deux transactions en fait qui se fait. Il y a la Voilà. transaction qui se fait pour les îles et il y a la transaction du G-Zil, pardon, aussi Donc, qui est là. on peut même aller voir ça. Et là, en fait, ce qu'on voit, on est sur le bon portefeuille. Là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une transaction interne. Voilà. Et la transaction interne, c'est exactement celle que tu dis. C'est le Jizil qui est là en bas. Exact. Voilà. Et dans le total, on paye 3,12. Voilà, Pas exactement. 3,31. Ouais, Voilà. mais c'est une transaction regroupée. Voilà. Avec une transaction interne. Donc voilà, c'est Voilà, ah oui, exactement okay, ouais, ça. c'est ça, ouais, je vois. Ok, super Voilà. intéressant ça, c'est vraiment top. C'est pour toutes les personnes vraiment qui veulent un tout petit peu tester en général des blockchains, d'aller tester et puis apprendre, parce que là, une des meilleures manières d'apprendre, c'est en faisant. Exactement ce que tu viens de nous montrer. Moi, c'est comme ça personnellement que j'ai appris. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir le faire aussi sur la blockchain d'Ethereum quand à l'époque c'était pas trop cher. On payait en dessous d'1 dollar aussi les transactions. Donc, c'est vrai que c'était beaucoup plus fun pour des transactions rapides aussi, surtout. Et hop, je vais te remettre ça comme ça. Et bah, d'avoir maintenant en effet des blockchains, des nouvelles blockchains, enfin des nouvelles blockchains, c'est même pas une nouvelle blockchain en plus. C'est d'avoir des blockchains en effet qui nous permet de nouveau d'avoir des transactions bien plus intéressantes. Typiquement bah, aujourd'hui chez Zilliqa, c'est vraiment génial. Je voulais. Alors je pense qu'on a abordé tous les sujets aujourd'hui en rapport avec le stacking, en rapport avec le rewards aussi. Patricia. Elle s'appelle, si je me trompe pas, je suis très nul avec, Exactement. voilà, je suis très nul avec les noms, mais Patricia qui a répondu, il y a pas mal de questions, donc merci beaucoup d'avoir participé aussi sur ce live pour répondre à des questions à certaines personnes, vraiment super cool. Est-ce que par hasard, tu es déjà au courant? Visage festif, Ah, cotillon, confetti. il y a juste un petit message. Merci beaucoup à Tim pour ton abonnement, ton 4e mois d'abonnement, c'est très gentil de ta part. Est-ce que tu es déjà au courant par hasard de si dans 2 semaines on refait une interview de ce que tu voudrais présenter? Je pense que Je te prends sur le spot. on a dit qu'on allait step by step. Et étant donné qu'on a fait le staking et qu'on reçoit des Jizils, il faut qu'on aille voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces Jizils. Ouais, Où est-ce qu'on nice. peut les Super cool. revendre? Ou déjà à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on peut voter? Et où est-ce qu'on peut les revendre? Et ça, c'est le plus important, je pense. Ça va être une vidéo qui va durer peut-être moins long. Et on pourra peut-être développer aussi d'autres projets par la même occasion. Mais il y a toujours de quoi quelque chose à dire.
Et je sais que c'est déjà tard, on a fait super long. Je sais pas pourquoi on a fait super long. Mais si vous voulez, je sais pas s'ils sont intéressés. Si vous voulez, on peut très vite montrer aussi comment on met l'application sur le téléphone. Moi, je suis Voilà. pour. Ouais, je Et pense. ça, je sais pas, on peut faire un poll même si vous voulez. On prend 2 minutes et on fait un poll et on dit est-ce que vous voulez l'application mobile, comment ça fonctionne ou non. Ouais, alors je fais vite ça maintenant. Oups. Application Zil démo. Oui. Non. Voilà. 2 minutes. Sondage a commencé. N'hésitez pas à participer tout en haut. Diablo Trade, merci aussi infiniment pour ton abonnement de niveau 1 que tu as pris. Ça fait super plaisir. Et bienvenue en tant que contributeur chez Cryptologique. Merci beaucoup. Et sinon, ouais, le but c'était de faire ça tous les 14 jours et on va tenir ce Mais oui, rythme. avec grand plaisir, vraiment, ça fait vraiment super plaisir de pouvoir en effet t'avoir parmi nous. Il y a Mamie Crypto qui met Vince, c'est très bon pédagogue, pardon, bravo. Pédagogue. Et ça, c'est une question que je vais aussi vous poser à toute la communauté. Est-ce que je suis trop lent ou pas assez rapide ou est-ce que je vais trop dans le détail ou est-ce que c'est compréhensible? Et ça, c'est toutes des questions. Je sais que j'aime bien prendre le temps et ça, et je suis pédagogue. Pourquoi? Parce que j'ai toute ma famille qui sont presque tous dans l'enseignement et j'ai aussi donné des cours à l'école primaire pour des enfants et je leur ai expliqué des choses incroyables. Et c'est tout mon aspect pédagogue que je vous donne. C'est aussi parce que je pense qu'à l'heure actuelle, dans le monde de la blockchain, parce que là, on ne parle plus des cryptos, on parle vraiment de la monde de la blockchain décentralisée, on n'a pas cette aide-là. On n'a pas une personne qui va prendre le temps de tout expliquer, vraiment mot pour mot, avec des mots très simples. Qu'est-ce qui se passe là et qu'est-ce que ça fait si je fais ci ou ça? Voilà. Et c'est un peu mon objectif et peut-être ça peut être un peu gnangnan. Et c'est pour ça que n'hésitez pas à mettre des commentaires et dire si c'est trop lent ou si je peux mettre la deuxième et puis passer sur des fondamentaux qui sont connus ou que ta communauté connaît déjà. Voilà. Bah, de ce que je vois, des gens qui ont déjà pu écrire sur le chat, ils disent non, plutôt, c'est très bien. C'est plutôt agréable en effet de parler des fois doucement justement pour pouvoir pardon, mieux comprendre. Après, ce qui est extrêmement difficile aussi de ta part, enfin pour toi, c'est la vulgarisation de savoir quels mots il faut réussir à utiliser des fois parce que tu as aussi une certaine connaissance et ça va que faire de s'accumuler ta connaissance sur lesquelles tu vas vouloir apprendre de plus en plus certaines choses pour les gens, mais de trouver les bons termes et de trouver les bons mots pour ça et de vulgariser pour une simple personne qui vient de rentrer dans le monde de la crypto, c'est pas simple du tout, mais jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, tu le fais vraiment super bien, en effet, et c'est très agréable de t'écouter, vraiment. Et puis pour le sondage, au cas Merci. où, c'est oui, sur 88% des gens, ils veulent écouter, donc du coup, je propose, 88. voilà, donc du coup, Très je bien. propose qu'on regarde. Nice. Très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre ici, je vais connecter mon téléphone parce qu'on est à cheval avec la technologie. Je vais prendre mon téléphone et je vais le partager. Par contre, ton t-shirt Comme ça, on pourra voir. intrigue par une certaine personne. La banane. Ah, c'est une banane. Ok, ouais. Excellent. Ça, on peut faire un aparté si vous voulez. Vas-y. Alors, j'ai dit dans le premier live que j'ai pas dit dans ce live-là, c'est que je suis une personne qui adore l'entrepreneuriat. Et j'ai fait un voyage en 2018 et je suis parti en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et je sais pas si quelqu'un connaît ce pays, mais c'est un pays qui se situe à droite de l'Indonésie. Voilà. Et j'ai eu la chance de voyager là-bas pour environ 10-12 jours et d'aller vraiment au sein des communautés papous, on les appelle ça comme ça, on les appelle comme ça. Et c'est un pays qui est très 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 en retard sur le monde, le développement économique digital et ainsi de suite. Et j'ai trouvé cette expérience magnifique et j'étais en contact de la communauté directe. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que au lieu de partir avec plein d'habits qui vont nous servir à rien, parce que de toute façon là-bas il fait chaud, du coup on reste à torse nu toute la journée et en bronze. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une valise de 30 kilos avec mes deux collègues. Et la valise de 30 kilos, elle était remplie uniquement d'affaires scolaires. Voilà. Et ces affaires scolaires, on les a distribuées dans une école.
une école qui a besoin de ses affaires scolaires. Et je venais en fait de l'Australie. J'ai fait ce voyage de 6 heures avec des affaires scolaires pour les distribuer et aussi pour voyager et visiter le pays. Voilà. Et vous pouvez aller voir ça sur Instagram si vous voulez. Ça s'appelle Zina Ene Foundation. Voilà. C'est Ou long ça. Ene Foundation. Et en gros, j'ai contribué à ma toute petite échelle. Donner ces 30 kilos d'affaires scolaires à une école qui a été fondée, une association et une école qui a été construite par une collègue que j'ai connue en Australie. Voilà. C'est excellent Et ça. pour aller encore plus vite, ces t-shirts-là, en fait, c'est une marque que j'ai créée moi-même, qui est encore privée, malheureusement. Mais ça, c'est juste des tests. Et en fait, cette marque-là, je la vendrai. Ou plus tard, quand j'aurai le temps de reprendre ce business. Parce que j'ai déjà fait une série de ventes qui s'est très bien passée. Et en fait, on vend ces t-shirts et il y a une partie des profits qui est redistribuée à l'association pour pouvoir développer l'éducation dans ce pays. Ah, c'est Voilà. excellent ça, bravo. Et Ça, c'est donc, vraiment nice. je suis le seul à avoir ce t-shirt-là avec la petite banane. Et c'est ma designer que j'ai. C'est une pote de l'université qui a fait tous ces designs. On a des bananes, on a des kiwis, et ainsi de suite, et ainsi de suite, voilà. C'est excellent ça, bah, bravo. Franchement, c'est des très jolis projets à avoir et puis c'est vraiment top. C'est juste pour vous montrer que je suis un peu partout et j'adore l'entrepreneuriat, voilà. Bah, ça, c'est vraiment top. Il y a vraiment besoin, à petite échelle, il y a besoin de personnes en effet qui mettent leur petit footprint dans des aides. Donc bravo. Merci. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est. On va voir si je suis à cheval avec la technologie. Voilà. J'ai essayé l'autre fois et ça avait fonctionné. Donc, Ok, alors on va essayer. Du coup, tu vas partager ton téléphone et puis on va peut-être pouvoir mettre ça sur l'écran. je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà fait ça dans sa vie une fois. Ouais, Partager moi son j'ai fait des téléphone. vidéos à l'époque enregistrées aussi sur lesquelles j'avais avec mon téléphone. Mais c'est vrai que. Et maintenant, ma question c'est, est-ce qu'on voit les 12 mots que je dois remplir ou est-ce qu'on les verra pas? Parce qu'en fait, je vais vous montrer juste pour mettre votre. Donc là, je vais partager. On va faire le test. Hein. Ah ben en fait, c'est entire screen, donc on verra. Donc je vais juste faire en sorte que ça soit joli pour tout le monde. Voilà. C'est normal qu'on voit rien encore pour l'instant. Ce sera tout bientôt. Normalement, là, vous Link devrez voir quelque joined. chose. Ah, oui. Magnifique. Ça, ouais, on est sur ton téléphone. Et là, vous devriez voir que je suis sur le téléphone. Voilà, exactement. À gauche et à droite, on a les numéros, les mots. Les mots, Les mots exact. qu'on voit pas très bien. Ouais. J'espère que j'arriverai à les lire. Du coup, je vous montre. Mon téléphone, il est en allemand, pas de souci. C'est la même chose pour Android et App Store aussi, ça fonctionne donc les deux. Et là, ce que vous allez tout simplement faire, c'est mettre Zilpay, pas Zillow. Zilpay. Et vous avez toujours des pubs Swissborg. Ça, c'est ton avis, tu peux donner ton avis dessus si tu veux. Là, on a l'application Zilpay qui est en train de se télécharger. Magnifique, Voilà. super. Petite parenthèse en attendant, il y a Mamie Crypto qui demande si c'est Zina Zane Foundation. C'est Zina, Xenaene Foundation. Attends, Voilà. Zina, pardon, X. Donc c'est Xena. Oui. Et ensuite c'est Ene. Et après Foundation. Foundation. Alors, si j'ai bien écrit, c'est comme ça. Xena Ene Foundation sur Instagram. Ouais. C'est gentil. Ouais. Merci. Et s'il ne trouve pas, j'irai le chercher après. Voilà. Et là, on est sur mon téléphone. Donc, c'est à peu près la même. C'est pas du tout la même chose, mais c'est dans le même but. Et en fait, c'est tout simple. Vous allez accepter les conditions de privacy. Donc, exactement la même chose. Et là, vous avez trois choix qui s'offrent à vous. Soit vous créez le wallet. Donc, c'est ce qu'on a fait avant, mais directement sur la version mobile. Ou alors, vous pouvez restaurer un wallet.
Ou alors vous pouvez directement connecter votre wallet, mais là vous ne pouvez pas parce qu'il n'y en a aucun Qui était. Ouais. qui est connecté. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Restore et il faudra écrire tous les mots que j'ai sur ma droite. Donc je vais vite faire ça et vous dites si c'est faux. Par exemple, là, j'ai mis une lettre majuscule, je ne pense pas que ça fonctionne. Exact. Si vous arrivez à lire ces mots, Et vous êtes fort, parce que même moi j'ai des problèmes. Les mots qui sont à droite. ouais, c'est vrai que c'est difficile à lire, mais bon, le plus important c'est que c'est toi qui arrives à lire. Il y J'espère a que ça fonctionne. Il y a des alors. questions? Oui, je vais pouvoir y répondre. Oui, alors en effet, c'est Zilpay, l'application. Il y a des gens qui ont demandé. Mamie Crypto qui a trouvé sur Instagram, ça c'est bien, parfait. Trop cool. Ok, ça c'est top, parfait. On arrive, et puis naturellement, bah, tous les mots doivent être séparés par des espaces, hein. Voilà. Et j'espère que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, je le refais pas. Et là, je mets juste un. Vous pouvez même. On va mettre. Mettre un nouveau mot de passe du coup. On va mettre en tout. Parce que de toute façon, vous le voyez là. J'écris même faux. A-N-T-H-O. Et après, je mets logique. J'espère que je fais juste. on voit absolument rien en plus, c'est rigolo. C'est vrai? Ouais, c'est une belle sécurité. Et voilà, ça a été créé. Magnifique. Et là, vous avez accès à votre compte. Voilà. C'est Vu que c'est génial. le compte de démonstration, vous n'avez pas d'argent. Ouais. Mais c'est exactement la même chose. Et là, je vais juste vous montrer la petite étape supérieure qui est utile pour vous. C'est que vous allez dans le browser qui est ici. Donc, c'est la page de navigation. Et ensuite, vous pouvez taper stake.zilliqa.com. Et magie, vous arrivez exactement sur le même site qu'on était avant. C'est génial. Et vous pouvez sign in for delegators avec Zilpay, unlock wallet. Donc c'est exactement les mêmes étapes qu'on a faites avant. Ouais, c'est vraiment excellent à la fin. Et voilà, vous êtes sur votre téléphone. Donc même les personnes qui n'ont pas d'ordinateur ou qui n'aiment pas travailler sur l'ordinateur, ils ont théoriquement accès à leur fonds directement depuis leur téléphone. Voilà, et c'est exactement la même chose. Ils peuvent participer au stacking, etc. Ouais, c'est Voilà, vraiment et magnifique. là, ça peut être peut-être un peu fourbe, mais il faut juste swiper vers la gauche, donc se décaler vers la gauche pour accéder au bouton stake. Voilà. Mais c'est exactement la même Ouais, chose. c'est parfait. On peut mettre stake, on peut mettre le montant ici, tout est la même chose. Bah Voilà. voilà, ça c'est nickel. J'ai fait le petit tour. Bah, S'il y c'est a des vraiment questions, top. n'hésitez pas. Non, je pense qu'il n'y a pas trop de questions. Tu as très bien expliqué justement comment faire tout ça. Donc vraiment un big up à toi. Vraiment super super cool. Pédagogie 3.0. Voilà. Grave. S'il y a encore des questions, bah, profitez. N'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, alors de toute façon, on a la chance du coup qu'on va pouvoir te revoir. On va de nouveau pouvoir partir sur une certaine éducation et puis de pouvoir apprendre encore un petit peu plus aussi bah, sur Zilliqa en général. On va également, alors pour faire de nouveau une petite parenthèse en rapport avec ça, c'est que tous les interviews qu'on va faire avec Vince seront donc aussi édités. Puis on va les remettre sur YouTube pour que toutes les personnes qui loupent malheureusement ce live ou les prochains lives, vous allez quand même pouvoir soit retrouver la vidéo directement sur Twitch. Ou sinon dans la playlist du coup qui sera sur YouTube sur laquelle il y aura tous les interviews par la suite que vous allez pouvoir aller écouter ou bien partager avec d'autres personnes qui aimeraient aussi plus apprendre. Et ça pourrait être aussi assez intéressant parce que c'est vrai que bah, aujourd'hui tu es l'ambassadeur francophone aussi, pas le seul chez Zilliqa, mais tu t'intéresses quand même aussi en général sur les blockchains. Et ça peut être intéressant non seulement pour ta connaissance et puis je pense pour en général, c'est peut-être une fois qu'on puisse aussi peut-être un petit peu discuter ensemble durant un live, une fois de voilà les blockchains différentes en rapport avec le stacking, quelle sorte de concurrents est-ce que vous avez aussi chez Zilliqa, quels sont des gens qui font quasi la même chose aujourd'hui, les pour et les contre, et vision peut-être à long terme, des choses comme ça peuvent être assez intéressantes aussi de discuter des fois ensemble.
Parce que tu as voilà une belle vision, je pense, aujourd'hui en rapport avec les blockchains quand même. Et puis ça peut être des conversations assez intéressantes. Juste pour vous donner une petite idée, je viens d'écrire un travail pour l'université sur la confiance qu'on a dans la blockchain. Voilà. Et le travail que j'ai rendu, il n'est pas très poussé parce qu'il est resté sur la définition de la confiance. Et il y a beaucoup de personnes qui disent que grâce à la blockchain, on n'a plus besoin de faire confiance. Mais c'est faux, parce qu'il faut toujours faire confiance. Et en fait, la confiance, elle n'est plus donnée à votre banquier quand vous avez vos transactions sur votre compte en banque. Mais la confiance, elle est donnée aux développeurs qui construisent et qui développent et qui maintiennent et qui améliorent les blockchains. Bien Voilà. sûr. Parce que sans eux, tout ça n'existerait pas. Voilà. Tout à fait. Et voilà. Et en fait, c'est un peu la conclusion de mon travail. Et je vais aller plus loin. Je vais écrire une thèse. Je vais écrire une thèse plus loin sur où est-ce qu'on trouve la confiance. Et là, je vais développer des termes plus techniques et aller typiquement sur le type de blockchain qu'on utilise. Parce que, comme tu disais, il y a le proof of stake, il y a le proof of work, il y a des mix des deux. Il y a celui que tu parles beaucoup, il y a le proof of entry. Il y a le proof of authority, comme WeChain par exemple, et ainsi de suite, et ainsi History, de suite. etc. Il y en a plein. Et tout ça, on peut aussi développer dans d'autres vidéos qui ne sont pas forcément consacrées à Zelika, où je peux avoir aussi un point de vue, mon propre point de vue, pas un point de vue biaisé. Ouais. Ce Voilà, serait sur. vraiment super intéressant si une fois on peut faire ça. Vraiment, je pense que les gens, ils apprécieraient beaucoup aussi d'avoir ta vision générale de ce qui se passe aussi à l'extérieur de Zilliqa. Parce que tu ne sais pas parce que tu es chez eux aujourd'hui que tu fermes tes yeux aussi ailleurs. Au contraire, tu t'intéresses vraiment partout et je pense que c'est très important quand même. Non, alors ça va vraiment être super intéressant, vraiment. Ouais, avec grand plaisir. Et j'ai juste une question. Est-ce que tu comptes rester encore dans les 5 prochaines minutes en live parce qu'on a oublié de faire le petit reward, le petit Ah, ben oui, giveaway. c'est juste, Et tu voulais du faire un coup, petit giveaway. voilà, et ben c'est top chrono en fait. Et dans le chat, on va faire comme ça. Envoyez tout simplement votre wallet adresse, donc la public key, s'il vous plaît, pas la private. Mais vous devez faire tout le processus pour donc ce qu'on a fait pour avoir le wallet et ensuite vous envoyer dans le chat et moi je prendrai deux au hasard ou je ne sais pas si tu as Sinon, moi j'ai une un truc si tu manière, veux. Moi j'ai une manière si tu veux. voilà, de trier et de choisir deux au hasard. Peux Et en faire comme. fait, on va distribuer, donc ça vient de Zilliqa par soi-même, donc c'est Zilliqa qui offre. C'est 2 fois 15 $. Donc ça représente 2 fois 150 ZIL qui sont à gagner. Et 150 ZIL, ça vous permet quoi? Ça vous permet d'initier donc exactement ce qu'on vient de faire et d'initier aussi le staking. Voilà. Vous Super, pouvez super cool, ouais. théoriquement mettre un peu plus que, je dirais, 60. Je vais vous donner 150. Vous pourrez mettre 70 peut-être. Et après, vous restera 80 dans votre wallet, de quoi payer les transactions. Pour voir un peu comment ça Pour fonctionne faire et les vous premiers initier. tests, ouais. Ah Voilà. bah écoute, c'est très gentil de ta part, on apprécie énormément. C'est, Moi, ça ce que vient pas de moi. je. Excellent. Ça vient de Zilika. Alors, merci beaucoup à Zilliqa, c'est très gentil de leur Voilà. part. Moi, ce que je peux Voilà. proposer, c'est que ici, avec Nightbot, en fait, on peut donc mettre ici tout simplement un keyword. Et puis, pour l'algorithme, vu que c'est Zilliqa qui nous offre quelque chose, je propose que Twitch comprenne que Zilliqa va faire partie de cet écosystème. Donc, on va mettre Zilliqa comme keyword. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont maintenant écrire Zilliqa sur le chat vont participer au giveaway. Puis comme ça, on va le faire deux fois. On fait deux fois en 1 minute. Et toutes les personnes qui vont écrire. Alors Zilliqa, c'est Z-I-2-L-I-Q-A. Je vous le note. Puis comme ça, au pire, vous pouvez même. Non, non, pas Zilliqa, Z-I-L-I-K-A. Non, comme ça. Je vous l'écris. N'hésitez pas à faire un copy-paste. Et puis comme ça, dans les prochains 60 secondes, je propose, il y aura un winner qui va être pris. Et puis après, on refait la même chose pour de nouveau les prochains 60 secondes avec Zilliqa, peut-être 2 par exemple. Et je viens de voir, il y a 2 personnes qui ont envoyé leur adresse, mais ça doit pas être des adresses d'échange, hein, sinon ça fonctionne pas. Voilà, exactement. Donc, faut vraiment donner cette adresse Ethereum, façon de parler, c'est avec le 0x au début. Non. Non? Non, c'est un ZIL 1. C'est toujours Ah, comme c'est. ça. Ah, alors c'est C'est ce,
c'est ce Le qu'ils ont donné alors. 0x, le 0, oui, mais en fait, ça fonctionne pas. J'ai été regardé dans la blockchain. En fait, ce n'est pas une adresse qui existe. Donc, c'est une sous-adresse d'un compte, d'un échange. Ok, très Voilà. bien. Donc c'est vraiment Donc, ça, on verra deux îles le payent. gagnant. On ira checker que ce soit vraiment une adresse décentralisée et pas une adresse d'échange. Ok, donc il y a apparemment Jack qui dit c'est celle qui vient du wallet, Zil 1. Voilà, ah bah alors on avait 20, 23 personnes qui participent. Pour toutes les personnes qui veulent encore participer, qui veulent gagner 150 Zil, on va le faire deux fois. N'hésitez pas à mettre Zilka dans le chat et comme ça on va pouvoir chercher un giveaway très rapidement. Oups, on a 24 personnes qui participent. Allez, je vous donne encore 15 secondes pour le premier giveaway. Et puis après on va partir sur une deuxième fois. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. 27 personnes qui participent. Et le premier gagnant, c'est Woa. Alors, Woa, bravo à toi. N'hésite pas à mettre un petit message, genre merci ou quelque chose. Et puis après, tu peux envoyer ton adresse directement, du coup, de Zil. Si tu l'as pas encore, tu peux aussi après me contacter par après, aussi, au pire, via Discord. Puis on fera le nécessaire après coup. Alors, du coup, je prends juste ton nom comme ça. Oups. Pas oublier. Et puis maintenant, on va refaire la même chose. Maintenant, on va juste faire, à la place de mettre Zilika, maintenant, on va mettre Vince. C'est très simple. Voilà, Vince avec avec un E à la fin. Ou bien on met, non, c'est son E. Tu peux choisir. On met Vince, V-I-N-C. V-I-N-C, pardon, pour les premiers qui ont déjà mis avec un E. V-I-N-C, et c'est parti pour le deuxième giveaway de 150 Zil, du coup. 15 La classe. dollars. 15 15 dollars. dollars gratuits. La classe. Juste de quoi s'amuser un petit peu sur la Ça blockchain fait, de Zilliqa. ça fait pour 4 lettres d'écrire sur le chat, ça correspond à peu près à 3,80 $, presque 4 $ la lettre. Ça va, c'est bien payé pour l'effort. Et pour les fans de l'euro, mais je pense qu'ils sont pas là, Ouais. on va pouvoir parler de ça dans les prochains lives. Mais typiquement, il y a par exemple une plateforme de paris sportifs décentralisée sur la blockchain de Zilliqa où vous pouvez parier avec vos îles. Le minimum, c'est 20 îles, donc ça représente 2 dollars. Et vous pouvez faire vos paris sur les matchs de l'euro, par exemple, ou Ah, même les c'est matchs de rigolo ça. Champions League. Et je vais vous montrer le système, comment ça fonctionne, voilà. Pour les très curieux, vous pouvez déjà aller voir, ça s'appelle Red Chilies. Mais voilà, on développera ça plus tard dans d'autres lives. Magnifique, ah bah super. Il faut toujours C'est regarder juste un pour petit vous peu pour la montrer. suite. C'est juste pour vous montrer qu'on peut avoir une blockchain avec de l'utilité et que ça sorte de l'ordinaire, donc de simplement faire du yield farming ou quelque chose comme ça, voilà. Ça peut Exact. sortir de l'ordinaire. Je ne dis pas que Zilliqa, c'est la seule blockchain qui a des projets qui sortent de l'ordinaire comme celui-là. Je vous donne d'autres exemples. Sur PancakeSwap, il y a une version bêta de prédiction du cours. Et toutes les 5 minutes, en fait, vous pouvez prédire le cours du BNB. Et si, donc, il y a la fermeture du cours. Et si dans 5 minutes le prix est plus haut, vous pensez qu'il est plus haut, vous pouvez parier à la hausse ou à la baisse et ensuite vous gagnez le total de la poule. Donc qu'est-ce qui a été bloqué dans ce pari-là? Et c'est toutes les 5 minutes jusqu'à l'infini. C'est rigolo Voilà. ça, ouais. Donc Excellent. c'est juste pour vous montrer qu'il y a plein d'utilités dans la blockchain, on va dire, Ouais, ça c'est clair. Du dans coup, différents domaines. pour finir vite fait le deuxième giveaway, on a 36 personnes qui ont participé. On va chercher un gagnant à l'instant même dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Donc, on a Mamie Crypto qui a gagné. Bravo Mamie Crypto. En plus, elle a pas mal participé aujourd'hui. Donc, Félicitations. voilà, Mamie Crypto aussi. Je vais mettre aussi ton nom, ton petit nom de côté. Et puis, comme ça, n'hésite pas du coup à aller donner du coup ton adresse. Si tu l'as déjà, tu peux déjà le mettre sur le chat. Et si tu l'as pas, n'hésite pas du coup à soit me contacter moi sur Discord. Puis après, je pourrais faire le transfert directement vers Vince. Et puis, comme ça, il pourra vous envoyer les 150 Zil. Pour les deux gagnants. Et waouh, je ne sais pas s'il a répondu ou pas. Je ne l'ai pas vu. Alors, je ne sais pas s'il est au courant qu'il a gagné. Et si ce n'est pas le cas, je propose qu'on garde ça de côté pour peut-être le prochain live. Puis comme ça, tu pourras toujours peut-être donner ses 150 au prochain gagnant si d'un coup il ne l'a pas vu. Puis
Tu vois, Fait comme ça. Mamie Crypto qui dit merci. Ah bah c'est super, félicitations. Merci à toi d'avoir participé. Ouais, c'est clair. Et puis bah merci. Il faut une adresse d'île, c'est ça? Ouais, exactement. Et puis Et tu bah. pourras, attends, Oui. elle pourra re-regarder le live si elle si elle se. Oh, il y a eu un petit bug. On a un bug à la fin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a un bug à la fin? C'est moi qui bug? Mais... Oh, bon, on me voit. Très bizarre tout ça. Vink Decrypt joined. Ah, voilà. Ok, je sais pas ce qui Oh, s'est le passé. doublon. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un petit bug. Donc, Perte mais voilà. de connexion, mais c'est pas Voilà. grave. Tu disais du coup qu'en effet, elle pouvait revoir du coup la vidéo si elle comprenait pas quelque chose. Voilà. Voilà, Et exactement. exactement. Bah écoute, bah moi j'ai les deux noms de mis de côté. Bravo à vous d'avoir gagné les 150 îles. Donc n'hésitez pas à venir sur Discord s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours me contacter. De toute façon, Ronron, aide-moi. Alors attends, on va regarder ça directement aussi après. Attends, je vais juste arrêter de partager mon écran, il n'y en a plus besoin. Comme ça, oups, je te reprends le chat. Alors, elle peut me PM directement soit sur Discord, soit sur Twitter, sur Telegram, vraiment n'importe où, Mamie Crypto. Tu peux vraiment me mettre un petit message où tu le souhaites, et puis on Même va. sur Twitter, sur Ouais, on. Vince Decrypt, Voilà. directement sur mon Tu Twitter. n'aimes Donc, pas Discord ni Twitter. Alors, mets-moi un petit message, je te mets un petit message ici en chuchotement. Ici, voilà. N'hésite pas à mettre un petit message là. Et puis comme ça bah après on va pouvoir te guider et puis tu vas pouvoir faire prends ton temps, t'es pas obligé de le faire ce soir mais dès que tu auras ton adresse bah après une fois qu'on va pouvoir après t'envoyer les 150 seeds. Enfin, pas moi mais Vince. Bah écoute alors je pense qu'on a fait un gros tour. un gros tour, je crois quand même pas mal de points différents, un petit peu plus long que prévu, mais ça fait toujours super plaisir. Donc en tout cas, moi je te remercie comme d'habitude, hein. Super super cool. Je me réjouis vraiment de la suite hein, dans les mois encore à venir, parce qu'il y aura beaucoup beaucoup de choses qu'on va pouvoir apprendre aussi grâce à toi et grâce aussi à ton équipe qu'il y a derrière. Donc c'est vraiment encore aussi un merci à Patricia d'avoir participé aussi sur le chat pour pouvoir répondre à des questions. C'est très gentil aussi. Merci. Et puis voilà, je sais pas si tu veux encore dire un petit mot avant de partir, mais en tout cas, moi je te dis merci, 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 et bah, je me réjouis vraiment de la suite, quoi. Ben, merci à toi déjà. Sans toi, ce ne serait pas possible. Et merci à toute la communauté d'avoir participé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a le groupe Telegram qui est là pour vous. C'est 100% gratuit. Exact. Patricia est dedans. Je suis aussi dedans. On peut vous répondre si vous avez quelconque question. N'hésitez pas à revoir le live aussi. Si vous avez quelques soucis quand vous essayez de créer votre adresse Zilliqa. Et sinon, n'hésitez pas aussi, quand je ne suis pas là, à donner des feedbacks à Anthony et dire si ça va trop lentement, si ça va trop vite ou si c'est parfait. Et puis, je suis toujours pédagogue, je ne vais pas changer. Excellent, Mais je c'est peux sûr. toujours augmenter la vitesse et ça, c'est important. Et sinon, j'espère que ça va vous plaire le prochain live qui sera à propos de gouvernance. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces GZIL qu'on reçoit par le biais du staking? Et vous montrer l'utilité de ce token dans le court, moyen et long terme. Voilà. Et aussi comment le Magnifique. vendre, parce qu'il y a aussi des personnes qui veulent le vendre et il faut savoir où le vendre. Voilà. Exact. Donc ça, je vous montrerai tout ça. Donc ça consiste en deux choses, la gouvernance et la deuxième, c'est l'échange décentralisé qui s'appelle le DEX en anglais. Voilà. Donc on Moi, va je vais parler de voir. tout ça. Voilà. Je vais vous montrer des choses que vous avez jamais vu ailleurs. C'est le Dex de Zilliqa, il est vraiment incroyable. Et là, il vient d'avoir une petite touche de, comment on appelle Design. ça, de design, et il est juste à tomber. Voilà. Ah yes, ah Et bah je me réjouis de voir ça. j'ai jamais essayé un échange décentralisé autant rapide.
C'est-à-dire, on clique sur un bouton, c'est instantané. C'est vraiment, c'est dingue ce qu'il en fait. Je vais Voilà. faire exprès de pas aller dessus. Et puis comme ça, bah, je vais pouvoir apprendre en même temps que les autres d'ici 2 semaines, du coup. Voilà, trop cool. La Donc on se classe. voit, ça veut dire que là on est le 17, donc 24, on se voit. Le 1er juillet. Voilà. C'est juste? Exactement. C'est possible, je sais pas, il faut que je J'ai regarde l'impression mon que c'est le 1er calendrier. juillet, du coup, le jeudi dans Ouais. 2 semaines. Magnifique. Du coup, bah, de toute façon, on fera les Nickel. annonces nécessaires sur Discord, sur Twitter aussi et ailleurs. Et puis, bah, moi, je te souhaite bonne nuit. Courage encore pour tes examens, parce qu'on sait que tu es en plein examen aussi. Donc, courage pour ça. Et puis, bah, on se dit à tout bientôt, quoi. Merci à tout le monde et à tout bientôt. Ciao, Vince. Au plaisir. Hein. Ciao. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye bye.